Colombier-le-Vieux est un petit village situé dans le département de l'Ardèche et la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. La commune s'étend sur 15,5 km² avec environ 700 habitants. À 420 mètres d'altitude, située dans le nord vivarais ardéchois, Colombier-le-Vieux est délimité par deux rivières circulant au fond de gorges granitiques, le Doubs et la Daronne. Les milieux naturels encore préservés sont d'une grande diversité paysagère et présentent une flore et une faune très riches. Le train des gorges du Doubs vous propose un aller-retour depuis la gare de Saint-Jean-de-Muzol jusqu'à la gare champêtre de Colombier-le-Vieux, Saint-Barthélemy-le-Plain. Vous pouvez assister au retournement de la locomotive sur la place tournante à l'arrivée. Sur le Doubs, on peut pratiquer la pêche de première catégorie, baignade et détente au bord de cette agréable rivière. Une seule route à traverser et nous voici au camping Les Berges du Doubs. Dans cet environnement superbe, le camping Les Berges du Doubs vous réserve un accueil chaleureux et convivial avec Laurence, Lionel et Sandra, qui sont prêtes à vous accueillir. C'est un petit camping familial au calme, à proximité du vélorail et du village de caractère Boussieux-le-Roi. Location de chalet, 4 et 5 personnes, très confortable avec sanitaire et terrasse couverte. Vingt-quatre emplacements sont réservés aux tentes, caravanes et camping-cars. Des pods et mégapods 2 à 3 personnes. Des bungalows 4 personnes. Un barbecue est mis à votre disposition. Des cottages 2-4 personnes et des gîtes 2 et 6 personnes. Possibilité aussi de commander le pain, viennoiserie, petit déjeuner sur réservation, cocktail, glace, bâtonnets, coupe de glace artisanale. La piscine de 17 mètres par 6 est très appréciée des campeurs, surtout en cas de forte chaleur. Elle est aussi chauffée pour les périodes plus fraîches. Une salle est aménagée pour les repas en cas de caprice météorologique. Vous pouvez également profiter du snack et de repas à thème, planches de produits régionaux, moules frites, pizza et animations en haute saison. Rolling by the river. I see rolling, rolling.
sans danseur. Et si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les nattes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. De la nuit, tes flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes. Après une soirée détente, une bonne randonnée s'impose. Un chemin de croix de 39 stations chapelles fut édifié en 1714 par un prêtre missionnaire, Pierre Vigne. Sur ce sentier de randonnée, la fontaine de Père Vigne permet de se rafraîchir un peu. Prêtre missionnaire né à Privas en 1670, trouvant au village de Boussieu-le-Roi une topographie similaire à celle de Jérusalem, en fait son lieu de résidence. Il fonde en 1715 la Congrégation des Sœurs du Saint-Sacrement, aujourd'hui répartie sur trois continents et toujours présente à Boussieu-le-Roi. Il arrivait au Père Vigne de dormir sur ce sentier. En haut du petit escalier, un lit de pierre pouvait accueillir Pierre. La randonnée nous amène enfin vers le village de caractère de Boussieu-le-Roi. En 1291, Philippe le Bel crée sur le site du seigneur Géranton de Saint-Romain-Valmordane la ville royale de Boussieu. Les habitations vivaroises nous replongent dans l'Ardèche rurale d'autrefois. Nous sommes sur la place de l'église de Saint-Jean l'Évangéliste. De l'église primitive, il ne reste que la partie centrale de la façade. L'étroite porte romane de l'église a été remplacée par une entrée gothique plus large et plus haute. À l'intérieur, le baptisphère est taillé dans un bloc de granit. Au détour des ruelles, en observant les lumineuses façades de pierre, on y découvrirait encore bien d'autres histoires dans ce village aux mille secrets. L'école du village a pris des allures de gendarmerie pour les besoins du tournage d'un épisode de la série Capitaine Marlowe. À proximité de la gare de Boussieu, le pont du Roi qui enjambe le Doubs avec ses trois arches et ses deux piliers. Il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Cet ouvrage fut sans doute construit au Moyen Âge pour assurer la liaison avec le nord du Vivarais.
Philippe le Bel instaure un droit de passage et fait construire un bâtiment pour loger les soldats. Ce bâtiment sera agrandi au XVe siècle. Les nouveaux propriétaires de ce site historique remettent cet ouvrage en sécurité à l'identique afin de préserver ce patrimoine en utilisant les mêmes matériaux et la même façon de construire qu'à l'époque. Des documents datant de 1475 font l'objet de l'existence d'un droit de mouture. Les habitants payaient une taxe pour moudre le grain au moulin à proximité du pont. Un pour la farine panifiable et un pour la farine brute pour le bétail. Le moulin a tenu une activité artisanale jusqu'en 1963. On y trouvait aussi une filature de laine, une huilerie et une scierie mécanique. Et maintenant, départ de la gare de Boussieu pour une immersion dans un décor magnifique. Ne manquez surtout pas les magnifiques vues panoramiques des gorges du Doubs par le vélo-rail avec retour en autorail ou avec le train-vapeur, le Mastro.